Petit papa, le corona, a-t-il des ailes? Peut-il voler? Non, mon enfant. Mais comment a-t-il traversé le ciel sans aucune difficulté? Est-ce sur un tapis volant ou à dos d'un pélican? Petit papa, le corona, a-t-il des bras? Peut-il grimper? Non, mon enfant. Mais comment a-t-il franchi toutes ces barrières sans s'égratigner? Est-ce en escaladant ou à deux d'un orang-outan? Petit papa, le corona, a-t-il une queue? Peut-il nager? Non, mon enfant. Mais comment a-t-il navigué sur toutes les mers contre vents et marées? Est-ce sur un crabe géant ou en suivant le courant? Petit papa, le corona, a-t-il des pieds? Peut-il marcher? Non, mon enfant. Mais comment a-t-il traversé toutes les frontières sans s'arrêter? Est-ce en conduisant ou à deux d'un éléphant? Je vois, mon enfant, le corona s'accroche à tout et surtout à nous. Car son meilleur mode de transport, c'est bel et bien notre corps. Alors, ne soyons pas fous, restons chez nous. Et comme dirait la chanson, et pour notre protection, restons. Et pour notre protection, faisons du bien attention. Merci.